Et salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de No Man's Sky. No Man's Sky. Je vais pas y arriver, j'y arriverai un jour. À pas mettre de S à Sky. Bon, alors, dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors moi j'ai été sur la station pour... comment dire? Pour faire de la vente. J'ai vidé un peu l'inventaire, ça a fait du bien. Là, donc, on nous demande de rechercher, grâce au communicateur, un signal. En allant dans le vaisseau, ok. En appuyant sur X. D'accord. Tu n'es pas Xz seul. S'il te plaît, identifie-toi. Je suis Xz. Vous identifiez, ouais. Tu m'as laissé. Pourquoi? Lui dire que vous ne comprenez pas. Lui dire que vous êtes désolé. Hein? Je comprends pas. Je savais que tu dirais ça. Je savais que tu, comme les autres, demandez à qui vous parlez, en savoir plus sur les autres. Alors, savoir à qui je parle. Le communicateur se tait. Bien que le canal reste ouvert. Ok. Et du coup, coordonnées reçues. Ok, je pense que... On va devoir décoller. Hop, allez, c'est parti. Ah, attendez, ça se trouve, c'est même pas... Ah non, c'est sur la planète, ok. Coordonnées de l'étranger. C'est pas la porte à côté? Faut pas aller plus vite? Ah. Mais oui. Tu restes, il faut 10 minutes pour y aller, on n'est pas arrivé, quoi. Il n'y aurait pas moyen, par exemple, de passer par l'espace. Ça irait pas plus vite. Alors, parce que là, c'est où? C'est par là. Ah! Hop. Ouais, c'est plus rapide quand même. Voilà. C'est quoi ce truc? Alors, où est le repère? Par là. Par là. Distance estimée 200 mètres. Ah non, c'est par là. Par là. Mètres à peu près. Alors on en est où?
Apparemment, on est toujours bien là. Finalisation du signal. Ah mince, j'ai coupé. Mais non! Coordonnées de la balise de détresse tracée. Ah bah voilà. Je l'avais même pas capté, hein. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Non, il faut. Oui, c'est vrai que toujours un pass. Hop. Alors, ensuite, allons voir ça. Balise de détresse ouvrir. Hein. D'accord. Aucun signe de vie, seulement le son parasite de communicateur cassé. Extraire les archives. Quel que soit le message qu'il y avait ici, il a été brouillé et irrécupérable. Tout ce que j'extrais est le nom du pilote Artemis. Qui que ce soit, il n'est plus ici depuis longtemps. Seul un ensemble de plans est encore accessible. Il s'agit d'une amélioration pour mon rayon d'extraction. Ah! Nouvelle technologie, laser d'extraction avancé. Pas mal. Unité complémentaire du rayon d'extraction. Remplace la lentille standard du rayon d'extraction par du verre vivant à haute qualité. Permettant ainsi un rayon de traiter des dépôts de ressources rares et ou imposants. D'accord. Il va me falloir nanotube, un seau hermétique. Ah, je sais plus comment on fait ça. Du câblage. Fabriquer nanotube. Ok. Exoscombinaison. Nanotube. Ok, parfait. Non, mais qu'est-ce que je fais? Ah! Ensuite. Là, ça c'est bon. Je sais le faire, ça. Et non, je sais pas le faire. Ça, soit hermétique, oui. Mais alors, le câblage. Câblage, statut de ce composant laser d'extraction avancée, désinstallé. Il en faut deux en plus. Compléter ce sous-composant avec deux fois câblage. Utiliser X pour marquer les instructions d'installation. X. Acheter câblage grâce aux terminaux de commerce des stations spatiales. Consulter le journal pendant... Oh. Alors là, vous me parlez chinois, les gars. Là, vous me parlez chinois. Donc, il faut aller à la station, apparemment. Waouh ! On pourrait récupérer ce vaisseau ? Il y a plein de trucs dedans en plus, c'est sympa.
Il y a des fuites de radiation. Ah, il faut des trucs que je connais même pas. Ah ouais, il y a des trucs que je connais même pas. Retour. Mince. Donc, il faudrait aller, si j'ai bien compris. Alors attendez, parce que là, il y a un capteur. Module de technologie enfoui. Cool. On va en chercher. Au pire, moi, ça m'intéresse. Machine endommagée. Pierre du savoir. Ça peut être intéressant. On peut aller voir. Elle est pas loin, elle est juste là. Ça serait pas mal. Ouais, pourquoi pas. Toujours bien d'avoir tout rechargé. Vous avez pris le mot et. D'accord, c'est un mot qui est quand même important. Vous avez appris 10 mots. Cool. Qu'est-ce que t'as, toi, t'as la tremblote? Alors. Je me suis renseigné d'ailleurs, tiens, pour le coffre de stockage. Alors apparemment, le coffre de stockage, j'ai regardé ça sur le wiki de No Man's Sky. Voilà, je l'ai bien dit. Et apparemment, il faudrait un superviseur dans notre base. Et on peut en avoir 10. Et on peut en avoir qu'un seul par base. Donc, il y a 50 emplacements et apparemment ils sont liés ensemble. Donc ça peut être intéressant. Mais donc pour l'instant ça veut dire que je peux pas les avoir. Donc va falloir attendre. Ah non mais là j'ai le gros. Ah. Hop. Bah. Donc là, on a un module déjà à prendre. Ah, c'est toujours pareil. Et donc l'autre se trouve à peu près par là. Parfait. Ça fait des nouvelles choses à apprendre. Il me semblait que j'avais dit dans cette vidéo que dans cette vidéo, pardon, une cache enterrée. Ça peut être intéressant, ça. Il me semblait que j'avais dit que dans cette vidéo, on chercherait une planète. Je t'ai identifié, toi? Ouais, toi, apparemment, oui, ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. Ouais, chercher une planète pour s'établir, pour faire notre base principale. Alors, évidemment, faut qu'elle me plaise, la planète, hein. C'est pas gagné. Module de blindage suspect x1. D'accord. Ensuite, c'est quoi ça? Flore dangereuse. D'accord. Balise de détresse. Ah!
à 300, on peut aller voir? Ça m'intrigue. Aïe, sale bête. Allez. 250 mètres, allez, c'est bon. Mètres, c'est quoi les symboles jaunes en haut? Je sais pas. Il y a encore beaucoup de mystères pour moi dans le jeu. Hein. Je vous le cache pas. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah bah, c'est ça. Balise de détresse. Mince. Ok. Non, bah, c'est bon. Ah, c'est quoi ça? Tombe inconnue, 850 mètres. Ah! Ça, on l'a fait. Ça, c'est le coffre, on l'a fait. Oh, bah, je vais aller au vaisseau et puis on va enchaîner. Oui! Le vaisseau et puis on va aller acheter le câblage à la station. Et comme je vous dis, moi il me parle chinois. Hop, on est parti. 25%. À la station. Hop. Quoi, c'est quoi ça? J'ai l'impression qu'il y a des vaisseaux qui se foutent sur la tronche. Juste une impression. Répondu au communicateur en appuyant sur X. Ah. Ah, attendez. Entité Artemis, nous avons reçu ton signal. Es-tu le premier ou le dernier? Dis la vérité, tu utilises leur signal, mais tu n'es pas entité Artemis. Dire la vérité. Nada, reconnais ton signal. Je crois que nous avons déjà été en contact. Il serait peut-être temps de te faire monter à bord. Tu ne penses pas? Ce sera l'occasion de te présenter notre foyer. D'accord. C'est ici? Station? Non, c'est pas la station spatiale. Non, mais c'est la station, ça. Bon. Mais écoutez, j'ai pas trop compris, là. Ah, j'ai plus de... Ok. Ah, d'accord, ça va être le voyant violet, là. Que j'ai en bas. On verra ça après. Signal détecté anomalie, rendez-vous à bord de la station spatiale... anormale. Ça ne va pas être celle-là, hein. Attention, je rentre. Poussez-vous, laissez-moi une place. Donc, il faut que je trouve pour le câblage. Autant dire que c'est pas gagné. Si j'ai du mal à trouver, je vais faire une coupure, hein. Autant le trouver. Alors, qui c'est qui va me vendre ça? Non, pas toi, je pense pas. Ah, attendez. Dégage. Ah, attendez.
Ah, voilà. Ah, je l'ai vu. Câblage. Il m'en faut deux. C'est bon, c'est acheté? Ah, pardon, c'est bon. Hop. Donc, on va dans l'inventaire. Outils, outils. Là. Ah, c'est bon? Ah, yes. Donc ça, c'est bon, apparemment. Ok. Bonne nouvelle, là. Alors, maintenant, on va aller voir le fameux point qui nous est indiqué. On va peut-être remettre un petit peu de... Ah, il me faut ça. Je sais plus comment on fait. Une plaque. Ah, j'ai pas assez de dihydrogène. Mince. Ça se trouve, faut que je retourne sur la planète. Sinon, je vais pas pouvoir redécoller. Il faut que je retourne sur la planète pour chercher du dihydrogène. Et je sais même plus comment on fait pour l'avoir d'ailleurs. Est-ce que là ça me l'a consommé? Ah, attendez, on va regarder avant. On va faire des bêtises. Non, ça ne l'a pas consommé. Ah bah c'est bon alors. Alors, la dite station, elle est juste là. Ok. Ok, d'accord. Et alors on rentre par où, les gars? Par où je rentre? Une sonnette? Elle est par là, je pense. Ouais, c'est là. Cool. Voilà. Salut monsieur. Et alors du coup faut aller par là. J'ai bien suivi ou par là? Et apparemment faut aller plus par là-bas. Là, par ici. Ok. C'est immense ici, la vache. Oh, il est mignon, lui, avec son petit cul en forme d'aimant. C'est attirant. Ah. Oula. Bon, toi, par contre, t'as pas une gueule de porte-bonheur, toi. Hop. Le voyageur espère avancer, le voyageur se teste lui-même, je l'aiderai. Un échange, un progrès contre un progrès. Ou des richesses peut-être, de l'expérience ou des matériaux. Les deux sont satisfaisants aujourd'hui. Les technologies récupérées. Échanger des matériaux, acheter des améliorations, transmettre les données d'étape. Tu en as beaucoup vu? Et as-tu compris? Ce n'est pas à moi de le savoir. Tiens, prends ça. Merci. Des nanites. Ah, merci, cool.
Ensuite, tu es prêt à faire un échange? Ok. Hein? Es-tu prêt à faire un échange? Bah ouais, mais échanger quoi? Je comprends pas trop là. Écoutez. Je sais pas ce que j'échange, hein. Acheter des améliorations. Ouais, le scanner, le système de survie. Module de protection sous-marine. Ouais, il y a plein de trucs, hein. Module de lance-flamme du Minotaur. Wow. Je sais pas, à chaque fois il me donne 10. Moi je prends. Ah, ça y est, j'ai plus rien à échanger. Ok. Ok, bon. Alors ensuite, les petits gars, c'est quoi le reste de la mission? Enfin, apparemment, c'est lui. Artemis Explorateur, l'anomalie spatiale. Monter à bord de l'anomalie spatiale. Accéder à la station mystérieuse et parler à ses occupants. D'accord, il faut que je parle aux gens en fait. Ah, signal détecté anomalie, parler aux habitants de la station. Salut petit père. Ma forme de vie me renifle, essayant de sentir ce que je porte. Il me jette un regard moqueur. Présenter blé heptaploïde. Saleté, médiocrité, pourriture. Cette monstruosité fait frissonner ma langue. D'accord. Présenter la chair rance. Ok. Bon. Apparemment, il faut que j'aille par ici. Là. Juste là, là. Par là. Ok, il y a un portail. Et par là. Là, juste là. Ah, bah tiens. Je suis entité prêtre Nada. Un Corvax divergent. Bienvenue sur notre anomalie. Notre foyer te plaît? C'est Polo qui l'a conçu. Ah bah si c'est Polo. Ah, une petite bulle parfaite. Protégée des sentinelles et des Corvax en quête de vengeance. Nada, on regarde le temps passé. L'interroger sur Artemis. Ah, hein. Une entité voyageur. Peut-être que tu la connais. Je ne sais pas combien ils sont. Nada n'a pas envie de penser aux itérations comme à de simples nombres. Nous l'avons perdu, hautement improbable. Les sentinelles ont perdu la trace de notre anomalie. Mais l'anomalie ne devrait perdre la trace de personne. D'accord, le Corvax me regarde. Il y a quelque chose d'organique, une sorte de patience dans sa façon de tenir sa carapace de métal. L'interroger sur Nada. Nada, c'est
éveillé à la mort de Primo Corvax. Il ne comprenait comment tout cela est arrivé. Pourquoi nous sommes seuls? Maintenant, je suis un divergent. La convergence ne voit plus à travers moi. Nada n'est pas seule. Nada est un ami Polo. Ah, l'ami Polo. Maintenant, d'autres amis viennent rendre visite. Notre convergence est petite, mais Nada est content. Une faible lumière clignote lentement sur la carapace de Nada. Cet être m'est étrangement familier. Ah, Polo! Ami Polo a trouvé Nada. Trouvé mon signal, Nada est en sécurité. Maintenant, Nada trouve d'autres signaux. Mais les autres en sécurité. Cette station m'appelle depuis mon réveil sur cette planète. Peut-être appelle-t-elle aussi Artemis, l'interroger sur cette station spatiale. Au-delà de ce qui se trouve à l'extérieur, notre anomalie est libre. Libre comme Nada. D'observer, de chercher. La sentinelle d'Atlas, ils se fichent de cet endroit. Je sens leur regard, comme si nous étions des proies. Nada me regarde en évaluant mes réactions. Partir. Va parler à Ami Polo. Ah bah oui, Polo, voyageur. Peut-être qu'il en sait plus sur la disparition d'Artemis. Il perçoit bien mieux les choses que Nada. Polo ! Hé Polo ! Hé Polo, t'es où ? Polo ! Alors... Polo, Polo, il est par là, Polo. Ah ben il est là, Polo. Salut, Polo. Des amis partout, si tu sais où regarder. Amis de toutes tailles, de toutes les formes, partout. Ami Artemis, tu es là où il devrait être. Ça paraît impossible, mais tout est possible. L'univers fonctionne ainsi. On le trouvera, c'est sûr. Il y a toujours un signal, toujours une trace. Demandez comment. C'est pas très clair, hein. Notre foyer s'en occupera. Quand tu partiras, tu ne seras pas là où tu étais. Tu seras plus proche. D'accord? Ou peut-être pas. C'est excitant de le découvrir, hein. Avant de partir, tu pourrais peut-être passer un peu de temps avec d'autres amis. On s'entraide tous ici. D'accord? L'anomie fait office de noyau pour les voyageurs, une sorte de lien qui les unit. Peu importe où ils se trouvent dans l'univers, utilisez le foyer de Nada et Polo pour rencontrer d'autres voyageurs, accomplir des missions, gagner des nanites ou améliorer votre équipement. Parlez à d'autres voyageurs pour gagner des nanites. D'accord? Apparemment, c'est par là. Ah, tu t'appelles comment, toi? Enius. C'est Polo qui m'a dit de venir. Ah, jeune homme, toi qui peux encore explorer les frontières de cet univers, comme je t'envie. J'ai fait mon temps avec la réalité des choses, mais tout ça me manque. Peut-être pourrais-tu aider un vieil ami à me parler des choses que tu as vues. Ah, les étoiles et les joies de la découverte me manquent. Remettre des données de la planète. Ok. Merci à toi. Tu n'imagines pas combien c'est important pour moi. Tiens, prends ces nanites. Ce n'est pas grand-chose, mais tout, c'est tout ce que j'ai. Hein, d'accord. Apprenez de nouveaux plans de technologie. Ah ouais, ça m'intéresse, ça. Il faut aller... Alors, autant vous dire que je me rappellerai jamais de tout ça. Voilà, c'est sûr. Sélène. Voyageur, nouveau, ta combinaison est une extension de toi. Laisse-moi t'aider. D'accord. Oula, en effet. Ah, apparemment, on a de la résistance au feu, de la résistance au froid, de la résistance aux radiations et de la résistance aux chimiques, c'est ça? Toxines. Suppresseur de toxines. Ah, oui. Ça veut dire qu'on n'aurait plus de problème sur les planètes.
Oh. Améliore le blindage métallique des gants de l'exocombinaison. Ah, il n'y avait pas un truc avec ça? Il me semble qu'il y avait un truc où j'avais eu un problème avec les gants, justement. On va le prendre. Touch. Ok. Alors. En plus, on a tout ce qu'il faut, donc c'est bon. Donc là, on a appris les gants. Ouais. Les substances dangereuses. Ouais, je crois que c'était ça. On ne pouvait pas utiliser quelque chose parce que justement, on ne pouvait pas le toucher. Rendez-vous dans la station de recherche de construction. Débloquer un. Ah, mais j'ai pas le temps de lire. Ça c'est quoi? Protection environnementale. On continue l'environnement de l'utilisateur. Ça c'est pas mal ça. Oh, attendez, un jetpack. Poussière de ferrite, c'est pas trop compliqué en plus. Là, et le meilleur poussé, c'est ça. Peut-être plus longtemps. Ça c'est quoi? Traducteur simple. Ah, pas mal ça. Ouais. Fusée commerciale. Ouais, tout ça, ça me parle pas. Raffinerie personnelle. Une extension compacte de l'exocombinaison mettant à disposition une petite raffinerie portative. Accessible directement depuis l'interface utilisateur de l'exocombinaison. À tester. Moi, j'aimerais de le de la place supplémentaire. Ouais, nager sous l'eau aussi, ouais. Une amélioration de la capacité de base du système de protection environnementale, ouais. Elle offre un jet, au jetpack de l'exocombinaison une capacité de saut avancé qui permet à l'utilisateur d'effectuer aisément des bonds gigantesques. Hein. Traducteur supérieur, d'accord. Ouais, moi j'aurais bien voulu avoir une extension de mon inventaire en fait. Ça peut être pas mal aussi ça. Ça peut être pas mal. On peut peut-être le prendre. On aurait plus de temps de survie. Par contre, ça m'intéresse aussi. Mais il faudrait du câblage. La protection environnementale aussi serait pas mal. Ouais, il y a tout en fait qui est sympa. Ça me plaît ça. Les 360 et j'ai combien? 651. J'aimerais pas tout dépenser parce que déjà je pourrais peut-être prendre ça. Ouais. Ah mais non, en fait c'est déjà connu. Ah oui, d'accord, c'est là. C'est l'extension. Ordinateur quantique, j'ai pas un cristal. Ouais, bah, j'ai pas les objets encore. Là, c'est des objets que j'ai déjà, donc au pire, oui. Mais bon. Ouais, réseau de refroidissement. En fait, ça dépend. Là, par exemple, je suis sur une planète de froid. Pourrait être intéressant, mais bon. Je pourrais prendre ça. Mais si je vais sur une planète de feu après, il faudrait une protection de feu. Raffinerie perso. Mais ça m'intéresse, ça. Et vous savez quoi? Je vais prendre ça.
Je peux pas le construire pour l'instant, mais je vais le prendre. Et puis je vais prendre une protection contre le froid. Pareil, ça je peux pas le construire pour l'instant. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là pour l'instant. Ah, attendez, j'ai vu un truc. Oh, toto. Améliorer l'exocombinaison. Acheter un emplacement d'inventaire. Ah. Cool. Donc là maintenant j'ai combien? Mais apparemment j'ai juste acheté une place, en fait c'est cette place là. Ouais bon c'est toujours ça de gagner. Je peux pas en acheter plus? Bon bah tant pis. Ensuite qu'est-ce que je dois faire? Ah mais non je veux pas aller par là. Ouais mais pour l'instant j'ai pas les ingrédients nécessaires. D'accord ça. Explorer l'anomalie spatiale. L'anomalie spatiale abrite toutes sortes de voyageurs. Certains vous aideront dans votre périple, fabriquant des améliorations. L'anomalie spatiale peut être appelée depuis le menu rapide X lorsque vous êtes dans l'espace. Ok. Oh, je me rappellerai jamais de tout ça. Je suis une petite tête, moi. Ah, alors après, il faut aller par là. Ah, attendez, il faut aller par là. Moi, je suis le voyant violet. Ok, c'est là. Oh là là, il y a trop de trucs. Données récupérées. Ah! Pièce carrée, fondation, couloir en L. Ah, c'est sympa, ça. Celui-là, je pourrais l'apprendre, en fait. Pièce cylindrique. Pièce cubique. D'accord. Ah, est-ce que ça serait pas là qu'on pourrait apprendre? On va regarder. Normalement, ça s'appelle un conteneur de rangement. C'est un gros cube. C'est quoi ça? Interrupteur, câble. Ouais. Non, apparemment, c'est pas ici. Ah, excellent, plateforme d'atterrissage. Ah ouais. Ça coûte 10. Bah en fait, il faut que je recherche plein de modules de technologie. Départ de course. D'accord. D'accord. Ah, mais il y a plein de trucs, en fait. Porte échange, c'est quoi ça? Porte standard dorée de joint de compression adaptée à toutes les pièces. D'accord. Eh bien ça m'intéresse pas pour faire une super base. Ah, ça c'est en eau profonde, ça c'est pour construire sous l'eau. En eau profonde, d'accord, tout ça c'est pour construire sous l'eau, d'accord. Construction aquatique. C'est quoi ça?
Ah, c'est de la déco, d'accord. Affiche, d'accord. Module décoratif, ok. Oh, il y a trop de trucs. Drapeau, ouais. Des fauteuils. Plan de travail. Encore. Il y a plein de trucs en fait. Barricade. C'est quoi ça? Module décoratif toujours, d'accord. C'est énorme tout ce qu'il y a. Illumination, ouais, pas mal. Câblage électrique, d'accord, bon, ça on a déjà des trucs. Batterie, bouton onduleur. Module agricole, oh là là. Structure en bois, bon, ça on a déjà commencé à apprendre. Toiture en pierre, toiture en alliage, forme primitive, d'accord. Je vois pas trop là. Ah, bah voilà, regardez. Conteneur de rangement. C'est ça qu'il me faut. Je peux la prendre là? Module. Module de récupération insuffisant. Données récupérées. Zéro. Ah, d'accord, il faut que j'ai des données. Ouais, 10. Ouais, c'est ça, une idée qu'on pouvait en avoir 10. Et ouais, en effet, on en a 10. Ok. 5. Pourtant, j'en ai ramassé des données. Donc, faudrait qu'on revienne ici. D'accord. Module de construction. Ah, mais c'est ça que je voudrais. Ok. Tout ça, c'est génial pour faire une base. Ah ouais. Oh, on va se faire des trucs d'enfer. Il faut que je récupère plein de... Ok. Ok. Parler à Artemis... à Nada. Parler d'Artemis à Nada, pardon. Ok, donc il va falloir... Déjà, il faut qu'on trouve une planète où s'installer. Salut copain Polo. Nada et Polo dérivent de monde en monde. Il y en a beaucoup. Et ça tu vu, ami voyageur. Nada aimerait le pouvoir. Mais ce n'est pas le cas. Nada en est désolé. Demandez quoi faire. Entité voyageur peut suivre sa propre voie. Trouver entité Artemis. Explorer avec d'autres entités. Voyager dans des lieux magnifiques. Fais ce que tu veux, entité voyageur, nous t'aiderons. D'autres t'aideront aussi. Même si tu recherches le menteur pour demander de l'aide pour explorer. Pardon. Bien sûr, Nada indiquera une merveille sur ta carte. Mais prends ton temps, trouve ta voie. Parle aux autres entités de cette station. Elles ont toutes quelque chose à t'offrir. Reviens nous voir quand tu voudras, entité voyageur. Tu es toujours le bienvenu ici. Partir. Ok. Ok. Alors, ouvrir l'inventaire. Commencer l'installation d'un module d'amélioration avec. C'est quoi ça? C'est là. Bouclier de vecteur illégal. Ouais. Déplacer la technologie. Installation impossible. C'est pas là. Non, c'est bien là.
Stocker technologie. Démonter. Mais ça m'apporte quoi, ça? Ouais, plus 10 solidité du bouclier, plus 33% de santé. Ah ouais. D'accord. Non, en fait, j'étais pas là-dessus. J'étais en train de chercher ce qu'il fallait pour le construire, mais en fait, non, c'est bon. J'ai compris. Alors. Du coup, maintenant, faut que je fasse quoi? Bon, tout ça, c'est des joueurs, normalement, c'est ça? Si je m'abuse. Là, on redescend. Retourner dans l'espace, chercher des informations sur Artemis parmi les étoiles. D'accord. Attendez, il y a beaucoup de vaisseaux là, c'est lequel le mien? Ah, c'est le gros jaune là-bas. Je vais prendre celui-là, je vais vous l'emprunter. Distance parcourue, 30 km. On va appeler ça des kilomètres. On est reparti. Intéressant. C'est très intéressant tout ça. Il y a beaucoup de choses à apprendre du coup. Balise de détresse, bon ça on sait déjà. X. Je comprends pas tout, les gars. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est dehors, c'est quelque chose cloche avec. Vous identifiez. Je dis à l'étranger que je l'entends pendant un instant. Il y a une pause. Je n'entends que le sifflement de fond du rayonnement cosmique. Tu m'as trouvé. Il y a si peu de lumière. Je pensais ne plus jamais entendre la voix de quelqu'un d'autre. J'en étais convaincu. Comment as-tu trouvé ma voix? Bah, bizarre. Dire que vous avez trouvé un vaisseau. Hein. Je parle à l'étranger de l'épave du vaisseau abandonné et je lui explique que j'ai trouvé son code communicateur dans la balise de détresse. Alors que je mentionne cette étrange station spatiale, il m'interrompt. C'est dehors, mais je crois que je... Sécurité. Il y a... Ah, 16 encore. Il y a 16. Il ressemble à... Vous me demandez où il se trouve. La peur et la confusion se mêlent dans les yeux de l'étranger. Après quelques instants de silence, il se tourne vers moi, implorant. Tu ne sais pas qui tu es, n'est-ce pas? Tu... Il m'a menti. Il nous a tous menti. Le son se coupe, mais son visage s'attarde avant de s'évanouir lui aussi dans le néant. Mettre fin à la communication. Ce doit être Artemis, qui a clairement besoin de mon aide. Je dois trouver un moyen d'augmenter son signal. D'accord. Archive de l'ordinateur de base restauré, interagir avec l'ordinateur de la base pour en savoir plus. D'accord. Il faut qu'on retourne à la base. Par là. On remonte, remonte. Ah, il y en a pour 20 secondes. Ok, bah écoutez, on avance. Hein. Entrer dans l'atmosphère. Je pense que je vais chercher des données de mon côté. Et histoire de... De pouvoir avancer dans la prochaine vidéo, de pouvoir acheter des choses. Là, j'irai quand même bien visiter un petit peu... à droite, à gauche, voir si on peut trouver une planète sympa. Ah, pourquoi c'est aussi long là? J'avais que 20 secondes.
Non, je peux pas. Mince. Et là, je peux? Non, je peux pas non plus. Ah, bah alors. Donc il faut aller parler à l'ordinateur, c'est ça? Véhicule, appuyez un pour en savoir plus. Oh, excellent! Oh, mais il y a encore plein de trucs qui se mettent là. Ouais, non, mais les véhicules, j'en suis pas encore là. Hein. Récupération automatique des archives en cours. Données récupérées, 6%. Nouvelles données disponibles. Recherche dans les archives. Entrée 1. Ok. J'ai trouvé des modules technologiques enfouis. La construction se déroule bien. Une expédition récente m'a permis d'obtenir les 1. Copie des données sur 1. Données supplémentaires disponibles, journaux de construction récupérés, plans rassemblés et prêts au téléchargement. Ah! Données de technologie de base extraites, téléchargement de plans, plans de conteneurs de rangement restaurés. D'accord. Ah bah attendez, conteneurs de rangement. Bah merci les gars. Ah bah c'est cool. Non mais moi ça me plaît ça. Je veux. Récupération de l'archive consultable terminée. Lancement de la défragmentation du segment suivant. Ok, partir. Voyons voir. Hop. Technologie de construction. Alors, partout, où est-ce qu'il est ce conteneur de rangement? Ah ouais, mais attendez, parce que là, si j'ai bien compris, j'ai bien appris comment faire le conteneur de rangement, si j'ai bien suivi. Ah, je comprends pas. Construisez l'article conteneur de rangement, accédez au menu de construction avec W, consultez la liste des éléments avec L. Ouais. D'accord, il est là. Ah, mais c'est énorme! On va le mettre là. Hein. Mais attendez, c'est géant ce truc. Attendez, je veux juste voir la taille. Non, mais c'est plus haut que le toit. On peut le mettre à l'extérieur ce truc. Ah mais il faut qu'il soit alimenté en plus. Alors, on va le mettre dehors. Hein. Si je le mettais là par exemple. Je le mets là. Ouais, limite un par base. Ouais, c'est ça. Attendez, on va rigoler parce que je me rappelle plus comment on fait les câbles. Ah, comme ça. C'est bon là? Ça a l'air d'être bon. Ok. Ah
Technologie rechargée. Ok, alors donc là ça veut dire que maintenant on peut stocker. Ah mais hey, c'est génial. Transfert rapide X. Oula. On va quand même récupérer juste ce que j'ai besoin, le carbone. Non, pas ça. L'oxygène. C'est tout. Ouais. Bah ouais. Ah mais c'est excellent. Où est mon vaisseau? On va vider le vaisseau, hein. Dans le vaisseau, transfert rapide, conteneur de stockage. Pour l'instant, je fais comme ça, hein. C'est plus pratique comme ça. Ok. Ça, je vais le garder là. Alors, voyons voir comment ça se stocke tout ça. Ok. Ok, bah c'est cool. Il reste encore de la place. Des câbles. Des câbles. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle, ça par contre. Ça c'est une très bonne nouvelle. Alors, il faut réalimenter ça. Ah oui, c'est vrai. Ouais, du dihydrogène. Je sais plus comment on chope ça, le dihydrogène. Ah, c'est un truc de fou. Alors. Ben voilà, c'est comme ça, c'est les trucs bleus, tout simplement. Maintenant c'est bon, je vais pouvoir farmer sans m'inquiéter pour le l'inventaire. Hop, cool. La poussière de ferrite, il m'en faut. Je crois que je l'ai rangé ma plaque. Voilà. Poussière de ferrite, ouais, il va m'en falloir. Ça me récupère quoi là? Oui, de la ferrite. Oui, maintenant je peux récolter ça. Ok. C'est de la ferrite pure même, carrément. De l'oxygène, de la poussière de ferrite, des câbles.
Ok, bon, ben voilà. Eh ben, on va pouvoir partir. Alors après, cet avant-poste, je sais pas si je le garderai. Hein. Comme ça que je ne fais pas un truc terrible, terrible. X. Il me manque du sodium. Mais F. Ah, c'est vrai que du sodium, par là, j'en ai pas revu. Non, vous savez ce qu'on va faire? On va aller voir si on peut trouver une planète. Hop. Une petite planète sympa où on pourrait aller s'établir avec une autre base principale. La planète là-bas, on avait visité, je sais plus. Ouah, touché. De l'argent, ok, là on a de l'argent aussi. Ah non, du tritium. Ouah, attendez, c'est quoi ça? On recule. De l'argent. Ok. Ah, c'est une planète inconnue. Que ça soit, elle est peut-être bien, cette planète. Allons voir. Arrivé 30 secondes. Ah. Sinon, il va falloir qu'on change de système. Ah, ça me fait toujours peur, ça. Bon, ça n'a pas l'air terrible comme planète, hein. Ah, mais ça, c'est peut-être les nuages. Ça se trouve, la surface est plus sympa. Ou pas. Oula, c'est très montagneux. Ouah, non, c'est pas sympa du tout. Oula, c'est même carrément inconstructible. On va quand même trouver un endroit où atterrir. Si on peut, parce que c'est pas évident. Ah ouais, non mais même pour voyager, c'est pas possible. Y'a pas un endroit plus plat, là? Toute la planète qui est comme ça? Ouais, non, c'est pas possible. On va repartir. Alors, comment on fait déjà pour... comme ça, comme ça, comme ça. C'est quoi, ça? Ah, ça, c'est pour appeler la... D'accord.
Ah oui, ce truc super pratique. Ouais, je vais aller là. Distorsion. Bon, on est parti, on va aller voir, on va aller visiter cet endroit-là. On arrive. Parfait. Oula. Copavo 13. Bon, qu'est-ce qu'on a par là? Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, il y a plein de planètes. Ah, attendez, c'est là. C'est là, m'inspire. On va aller voir cette planète. Elle est un peu dans l'ombre là, donc on peut pas vraiment se donner une idée. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Si j'ai le coup de foudre pour la planète, ça sera là où il y aura la base. Si ça me plaît pas, on n'ira pas. Alors déjà, je crois qu'il y a de l'eau. Planète roi de Sigma. Ok. Où est-ce qu'on... Enfin, il y a de l'eau, non? Je sais pas s'il y a de l'eau. Il n'y a pas un truc qui vient de s'écraser, là? Ah, attendez, il y a un rayon lumineux là-bas. Allons voir. Il n'y a pas un rayon lumineux, là? Juste sur mon pointeur. Pour moi, si, il y a un rayon lumineux là. Ouais, c'est loin. Alors, est-ce que c'est plus simple là, comme ça, de trouver ce fameux rayon? Ah, c'est chaud. Ouais, la planète en elle-même m'intéresse pas trop. Hein. Bon, on va atterrir par là. Hein. Il fait déjà plus clair. Ça a l'air d'être pas mal là pour atterrir. Alors attendez, le fameux rayon, il est où? Je suis pas fou, il y avait bien un rayon. Bah, il a disparu. Bon bah, je sais pas. Ah. Derrière par là. Voilà. Plein de choses à identifier là. Okay.
intéressant. Ça, on a fait. Ok. Mince. Ça, on a déjà identifié ça? Ça. L'aubergite. Ah, on va voir ce que c'est ce truc-là. Poussière de ferrite. D'accord. Tout le monde identifié. Voilà. Ça, du carbone. Du carbone, il va m'en falloir de toute façon. Ah, je crois que c'est pas identifié ça. Si? Alors voyons voir. Nous on les a identifiés, eux par contre non. Ah, c'est bon. Là aussi. De quoi? C'est quoi qui m'a attaqué, hein? Ah! J'avais pas vu ça! Ça. Alors. Là. 300 mètres. Ah, on va chercher tout ça. La planète pourrait être sympa, mais non. J'aime pas le style, les couleurs. Les couleurs ne me plaisent pas. Ah, saleté. C'est quoi qui m'a attaqué, c'est ça? Ça c'est bon. Le module est par ici. Ah, attendez. Arme déchargée. Mince. Merci. J'ai... Attendez, j'ai perdu le... Ah. Ok. Quoi ça? Formation minérale enterrée, d'accord. Dépôt de sel, ouais. Dépôt étrange, ça peut être intéressant. Bâtiment inconnu. Ah, machine endommagée. Pétium. Comme les bataillons. Bâtiment inconnu, on va aller par là. On trouvera pas une planète hein, dans cet épisode là. Hein. Je pense qu'on va visiter les planètes petit à petit. Dans le système où on est, peut-être qu'on va trouver quelque chose de sympa. Je sais pas, on va bien voir.
Ah ça maintenant. Ah non, attendez. J'ai... Ah maintenant je peux récupérer. Je faisais une connerie là. Ah. Pas mal hein. On va visiter tout ça. Vous avez appris le mot Corvax. Ok, cool. Monter Corvax, entité Viper, votre premier Corvax impressionné, pardon. Nanite, merci les gars. Là, ça c'en a fait, on va voir ici. Ah, attendez. Ça c'est pour appeler le vaisseau, non, c'est pas ça? Appeler le vaisseau, ouais, tiens. Donner une navigation nécessaire, ok, j'en ai pas. Alors, comment on rentre ici? C'est pas par là? Il devait y avoir une porte quelque part? Là, par exemple? Ah, il y a quelqu'un dedans. Bonjour! Alors que j'approche de la forme de vie électronique, elle commence instinctivement à m'analyser de la tête aux pieds. Elle babille avec animation, penche la tête sur un côté. Je dois être une nouveauté, quelque chose d'inédit sur cette planète merveilleuse. Inconnu, savoir, inconnu, ok. Je fais signe que je connais très peu leurs moyens de communication. En réponse, les lumières de son masque lancent des séries de 3 clignotements d'intensité croissante. Donner la ferrite pure, pourquoi pas. La lumière de la forme de vie électronique vacille sur le coup de la déception. Elle pose néanmoins la main sur ma visière et me remercie avec un transfert linguistique. Ok. Le mot voyageur. Je peux te donner autre chose, peut-être? Non, partir. Ok. Bon. Répéteur d'un... C'est quoi, ça? Apparemment, un appel de détresse automatique envoyé il y a bien longtemps n'a pas reçu de réponse. Si je pouvais pirater la séquence d'encryptage, je pourrais potentiellement extraire les coordonnées. Ah, attendez. De plus 3, ça fait 6. Non, c'est pas ça. Moi, je dirais 620. Aucun signal trouvé, bravo. J'y peux aller comme un son. Laissez-moi recommencer. Non, il n'est pas. On a un signal ici. On doit les donner enfouis. Non, je suis sorti. Voilà, attendez. Sodium. Je me sers. Hein. Alors. Sodium encore.
Écoutez, où est-ce que j'avais mis le si là, par là. 60 mètres. Là. On y va. On aura bien avancé quand même hein, sur cette vidéo. On aura bien avancé sur le... sur les missions et on aura débloqué un conteneur et ça par contre c'est génial. Maintenant je sais le fabriquer. Il ne reste plus qu'à faire une base principale, de trouver une petite planète sympa. Il est fort possible que je... Peut-être que je farme un petit peu de mon côté. C'est quoi ça? Module technologique. Mais ça c'est quoi ça? Structure organique souterraine. Bah ouais, bah justement. Ok, bon, ça c'est fait. Ah, c'est quoi ça? Apparemment, je connais déjà. Une bulbe d'étoile. Moi, je récupère. Peut-être que ça peut se vendre après ça. Qui sait? Ça, c'est pas cool, ça. Pourquoi ça devient luminescent? Carbone. Ouais, bizarre. Hop. C'est cool, hein. Alors. Il y en a encore. Parfait. Alors après. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies encore à choper quelque part? On a ça là-bas identifié. Apparemment non. Machine endommagée, on sait pas trop. Formation minérale enterrée, c'est quoi ça? Tour de retransmission. On peut aller voir ça. Ça m'intrigue. Mince. Je vais prendre ça. Aïe, aïe, deux fois. Ah,
c'est ça là. Ça c'est quoi ça? Dithydrogène, pas mal. Ah ça on va prendre. Allez, on est encore là. Hop. On découvre, hein. Tour de transmission. Bah c'est pas là où on était tout à l'heure? Bah si. Sauvegarde et revendiquer. Ouais, non. Non, mais la tour de transmission, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah, un monolithe. On va aller voir ça, par contre. Hop. Bon, en tout cas, c'est pas sur cette planète que je vais faire ma vanne. C'est sûr. Une petite chose que j'ai envie de regarder aussi. Hop, une fois qu'on sera arrivé au monolithe. Ah, voilà. Corvax, 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 nuit, nuit, nuti, nuti, nuti. La pierre résonne, produisant un son qui emplit mon esprit. Une vision commence à prendre forme. Une forme de vie robotique se tourne vers moi. Une lumière émane de son enveloppe métallique et forme une brume lumineuse autour de nous. Elle fait un geste à mon attention. Accepter de... Ah oui. Le nom Corvax flotte devant mes yeux, tel un écho à l'échange de vision que je viens de vivre. Un mot issu de cette langue extraterrestre est gravé dans mon cerveau. Entité, d'accord. Alors, hop. Il y avait ça. Du métal chromatique. De l'oxygène. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais j'ai pas pour l'instant, mais n'empêche que je l'ai mis quand même. Et ça, ça peut être pas mal. On va pas la prendre pour l'instant. On n'a pas besoin. Donc de l'oxygène, métal chromatique. Ça, ça me donne du carbone. Du carbone. Quelque chose qui me donne de l'oxygène. Poussière ferrite, ça va continuellement falloir. Hop. Ah bah, oxygène, tiens. Ouais, pas beaucoup, hein. D'accord. Diminution de surcharge du jetpack. C'est quoi ? Dishydrogène ? Et ça c'est quoi? Du carbone. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Ah attendez là, technologie. C'est surtout ça que je recherche. Mètres. Bon, en tout cas je suis content, on a bien avancé. Oh, tu me donnes quoi, de l'oxygène? Bah tiens, tu m'exploses à la tronche à chaque fois.
Tac. Non, ça, 22%. Eh oui, oxygène, mais... Je vais en perdre en plus, dommage. Ah mais il va falloir que je joue un petit peu de mon côté en fait, hein. Pas avoir le choix. Alors, t'es où Pépère? Ah, 100 mètres. Hop. 50 mètres, ok. Et en plus, on a ça. Hop. Ah. Ok. Alors. Ah mais il y a plein de trucs. Voilà, 40 mètres, 80 mètres. Bon, ouais, de toute façon, on va pas tarder à arrêter. Hein. On en a fait pas mal quand même dans ce dans cet épisode. Bah, j'ai déjà appris ce mot-là et... Ah mais c'est une autre langue. C'est une autre langue. Là. T'es juste devant. Là, encore Vax. Ok. Cache enterré. On peut trouver des trucs intéressants. Ah. Mon a pris 15. Okay. Il y a eux là. Cool. Oh, je crois qu'il y a de l'oxygène là-bas. Il me semble. Ouais, O2. Hop. Il n'y a pas beaucoup. C'est mieux que rien. Mais en tout cas, la planète, elle est bien. Il n'y a pas de danger particulier. Ah. Le module de blindage des vaisseaux suspects. D'accord. C'est quoi ça? Paraffinium. Ah, j'en ai jamais trouvé de ce truc-là. On va aller voir, tiens. C'est pas loin, en plus. Hop. Ah, si, où mon truc? Ah, voilà, c'est là. C'est ça, là? Mince. Ok. Pourquoi pas? Thank you.
Ben voilà. Bon, ensuite, est-ce qu'il y a autre chose? Il y a un autre coffre là, cache enterré. Je vais aller voir. C'est quoi ça? Une minerai non identifiée. Ixonoïde. D'accord. On a de l'oxygène là-bas. On a la vieille bestiole là-bas qui nous fait mal à chaque fois. On va rester à distance. Merci pour l'oxygène. Dossier sur l'espèce. D'accord. Il y a un truc vert. Ah, attendez. F. C'est quoi le truc vert? Là, on a un monolithe. Ah. Alors. Et l'oxygène était là. Ouais, il y avait un truc vert, mais il apparaît plus. Bizarre. Porte-puce surchargée en approche, d'accord. J'ai appris le mot pour. Bâtiment inconnu. On va aller voir ça. Allez, on va voir le bâtiment inconnu, puis je pense qu'on va arrêter là. Hein? Il y a un arc-en-ciel. Mince. Même carrément, on pourrait rentrer dans le bâtiment parce que là, ça nous brûle. C'est de la pluie brûlante. Hop. Carbone et ferrite pure. Ok. Mince, c'est pas un bâtiment. C'est une antenne. Ah, pas de bol. Bon passage, cool. On va découvrir plein de trucs. Campement mineur détecté.
Ah, c'est bon. Apparemment, ça a l'air d'aller mieux, là. Non, ça, je peux pas. Là, il y a des caisses. Il n'y a plus de place, hein. Donc on nous dit là, apparemment. Allons voir. Arriver une heure. Non. Ah bah non, pas une heure. Non bah on laisse tomber. Allez. Après on arrête. Pas facile d'arrêter, hein. Oula. Ah, cool. On a de l'oxygène ici. Stabilisation du niveau de température. Ça va mieux. Ok. C'est là. Là, là. Ah. Cool. Et là, on a une forme de vie. Hop. D'accord. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là. Et on a quand même bien avancé hein, dans cet épisode. Je pensais pas. Hein. Moi, je pensais faire de la visite en chaîne de planète, mais non, non, on a avancé sur l'histoire. Donc c'est pas mal. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager. Ou même me laisser un commentaire. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Portez-vous bien. Bye bye.